Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Adam, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Et donc une vidéo assez spéciale, alors, je ne sais pas si je fais une série ou pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit récapitulatif. Une marque qui s'appelle Eagle Moss, ou Eagle Moss comme vous le prononcez là, ici, fait toutes sortes de maquettes, voilà, et ils ont créé Star Trek The Official Starships Collection, autrement dit, Star Trek, la collection de vaisseaux spatiaux officiels. Et donc, on peut les commander sur leur site, voilà, et ça coûte, alors c'est une société britannique. Et donc, on peut acheter en euros ou en livres, ou en dollars. Mais, enfin, peu importe, voilà, vous pouvez acheter sur Internet. Je vous conseille pas d'acheter ça sur Amazon, c'est un peu plus cher. Mais voilà, donc ça, celui-là, il a coûté, alors c'est Enterprise J, voilà. Il a coûté 21 € avec la livraison. Et ouais, avec le Brexit et tout ça, voilà, c'est plus cher. Enfin bon, donc, on va... Tout d'abord, on va consulter le manuel, qui est fourni avec, et la maquette. Parce que dans chaque numéro, donc là on est numéro 89, je sais, je commence pas, j'ai pas pris d'abonnement, voilà. Je veux pas tous les avoir, enfin, disons que j'ai pas l'argent. Et donc, et après la maquette, donc il y a une maquette qui est vraiment très détaillée. Voilà, on peut déjà voir, on verra ça. Ça s'en va. Et donc on s'occupe du manuel. Alors on a, là-bas, dedans, ils ont rassemblé à peu près toutes les informations qu'on peut trouver à propos de, voilà, du vaisseau, tout ça. Donc, voyons voir. Donc, l'AS Universe, lancé au 26e siècle, sous la Fédération des Planètes Unies, UFP, United Federation of Planets, et longueur 3219 mètres. Ah, quand même! Eh ouais! Il est beau. Alors, on va pas tout lire parce que tout est en anglais. Donc, je vais faire appel à mes, entre guillemets, talents de traduction que je n'ai pas. Donc, le sommaire, donc Enterprise J, Design the Ship, Doug Drexler, c'est le designer, et on screen, sur écran. Sur écran. Alors, deux informations complémentaires. Donc, type... Multimission Explorer, affiliation Fédération, lancé au 16e siècle, longueur 3618 mètres. Attendez. Oui, alors là, faudra regarder parce que je sais pas du tout. Équipage, on ne sait pas. Mais armement, on ne sait pas d'eux non plus. On ne sait pas beaucoup de choses. Je sais pas comment on le trouve, moi je le trouve magnifique. Spécial. Donc là, vous avez quelques photos, voilà, du modèle 3D, parce qu'il n'y a eu que des modèles 3D, à part celui-ci, qui est un modèle réel, mais bon. Voilà, une belle image. Voilà. T'as un gros vaisseau. Eh ben, qui a joué une grande partie, qui a joué une grande partie dans l'histoire. Une certaine bataille de... Enfin, voilà. Alors, ce vaisseau, si vous regardez la série Star Trek Enterprise, alors, vous ne le voyez pas. Voilà, parce que voilà, enfin, je vais expliquer. Ce vaisseau, un moment, Archer, alors, il a découvert, enfin, il a
L'agent temporel Daniel, qui fait partie, enfin qui combat dans la guerre temporelle, dans la guerre froide temporelle, faut suivre le Star Trek Enterprise, si vous ne comprenez pas. Et donc ah, pas trouvé les mots. Et ben il l'a emmené au 26e siècle sur cette Enterprise. On voit donc dans la série, on voit que l'intérieur. Il voulait faire des prises de l'Enterprise de l'extérieur, mais pas assez d'argent malheureusement. Et c'est dommage. Voilà, donc là vous avez donc plusieurs images de différents points de vue de l'Enterprise. C'est la vue arrière avec le moteur d'impulsion qui est ici. Les nacelles qui sont toutes petites. Là c'est le dessous. Oui, c'est dessous. Je suppose. Oui, c'est dessous. Voilà. Et là-dessus. Magnifique image. Donc voilà. On va pas tout lire, hein. Parce que dialogue, voilà. Voilà. Alors ici, on a donc les différents designs qui ont été imaginés. Donc ça, c'est l'un des premiers designs de Doug. Et je suis vraiment désolé, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. À cause de la mémoire, voilà, j'ai pas vidé les photos, maintenant c'est fait, j'ai vidé tout ça. Donc voici donc un des premiers designs de Doug Drexler. Donc on voit donc en comparaison avec la taille du NX-01, on voit qu'on est très très loin de la véritable dimension de ce petit-là. Donc voilà, on voit qu'on se rapproche à peu près du design, on voit que les nacelles sont à peu près les mêmes, je crois qu'elles seront les mêmes et que la coque secondaire paraît à peu près similaire et la soucoupe faudra un petit peu. Hop, et wow. Voilà, donc voilà ce que c'est, dialogue, on va pas faire. Ça c'est d'autres designs, alors ça c'est une autre classe de vaisseau, donc c'est la classe Alter, voilà c'est la classe Alter. Pas les haltères. Vous voyez ce que j'ai dit. Ça, c'est la comparaison, je crois, avec l'Enterprise D. Voilà. Alors là, c'est la classe Congo. À l'origine, c'est l'Enterprise. En fait, je vous explique. C'est la classe haltère mélangée à une soucoupe. On a quand même rajouté une soucoupe. Et du coup, il y a une séparation de soucoupe. Mais en fait, ça a été abandonné. Pour ce design-là qui est juste sublime. Alors je sais pas si une séparation de soucoupe, je ne crois pas. Donc bah, bonne chance. Ça c'est une des images qui ont été réalisées pour le trajet, enfin quand il est vers la bataille de Procyon, je crois. Procyon, je sais plus trop comment ça s'appelle. Voilà Doug Drexler avec les maquettes de l'Enterprise NC701, l'original qui a été refaite. Et la modèle de la station K7 qui ont été refaites aussi pour un épisode de la série Deep Space Nine dont je ne sais plus le nom. À tout ça, là avec d'autres personnes, je ne connais pas. Ça, c'est des L-Cards et je reconnais celle de l'USS Défiant qui ont été désignées par Michael Kuda. Voici l'agent temporel Daniel, une combinaison bizarre. Et voici la seule image que l'on voit de l'Enterprise J à l'écran. Ah, c'est la seule image. Et c'est dommage. Et là, on voit Archer qui observe ce gros vaisseau. Alors, ben là, voilà la prochaine issue, 90. Vaisseau Romulien Scout. Mais non, je veux pas. Même s'il est très très beau. Bon, j'en ai les maquettes également, c'est les plus détaillées. Et voilà. L'Enterprise. Et maintenant, on va passer eh ben, au modèle. Ça s'en va. Voilà. Ça vient. Voilà. On va essayer de l'ouvrir avec une main parce que je tiens l'autre main avec le téléphone. C'est pas très pratique. J'ai pas de support. Je ne me voulais pas. Donc, à chaque fois, un support collector, hein, c'est-à-dire qui n'est conçu que pour. Oh, pardon pour le bout. Comment? Conçu que pour chaque vaisseau. Voilà, délicatement, parce que les nacelles sont hyper fragiles. Ah! Désolé pour le boucan. Donc voici, voilà, le support en métal. Et là, c'est en tissu. Voilà. On l'assemble.
J'essaie de voir à peu près par rapport à la caméra. Voilà le support. Au revoir. Et maintenant, le J. Alors, comme je le touche là, la coque secondaire et la soucoupe sont en métal. Les nacelles sont en plastique. Et pour les nacelles, donc, ils ont utilisé des pièces transparentes, rouges et bleues. Et c'est sublime. Déjà, réussir à faire tenir ça, parce que c'est solide, hein. Ah oui, c'est solide. Voyez les détails. Alors, les reflets que vous voyez là, on dirait que c'est du métal, que c'est pas peint. En effet, ce n'est pas peint, mais c'est fait exprès. Parce que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, ça je ne voulais pas faire remarquer, sur les plans d'entreprise, on voyait qu'il n'y avait pas de. Qu'il y avait des reflets spéciaux comme celui-là, comme cela. Et donc, c'est magnifique, ils ont vraiment tout reproduit. C'est splendide. Alors, les lumières sont vertes, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, ils ont même écrit ici, je sais pas si on voit. Et donc, re encore les amis, j'ai eu un petit souci encore, vous pouvez me tuer si vous voulez. Bon, on reprend la vidéo. Donc, on est en train de voir ce magnifique Enterprise. Alors, le déflecteur, on voit pas trop à cause de l'ombre. Ah voilà, on voit bleu et orange, voilà. Alors, ils ont pas pu mettre de relief parce que sur une production aussi petite, ils sont obligés parce que. Enfin, en tout cas, je trouve que pour le prix. Avec ce niveau, un niveau de détail comme celui-là, je pense que ça vaut le coup. Je le conseille vraiment. Magnifique. Je vous conseille surtout pas les trucs Hot Wheels ou même Playmates. Si vous voulez vraiment des vaisseaux de collection, c'est ça qu'il faut. C'est tellement détaillé. C'est magnifique. Alors, attendez, j'ai pas vu par contre les moteurs d'impulsion. Attendez. Voilà, ils sont là. Ils sont magnifiques. Voilà, sublime. Et ben maintenant, c'était plus qu'à le mettre sur le support. Alors, comment ça se met? Ah, voilà, c'est bon. Et voilà. Il est splendide sur son support. Mais c'est pas tout. J'ai une petite surprise aussi. Pardon. Pardon, pardon. La voici. Et oui, j'ai auparavant, j'étais complètement fou de l'Enterprise D, et du coup je cherchais à la voir, et ben je l'ai trouvé. Voilà, donc c'est l'issue 1, celle-là. Je sais pas si je ferai une vidéo plus tard sur l'Enterprise D, je vais voir. Ce que j'aimerais bien voir surtout, c'est la version de l'Enterprise D, mais la version oversize, comme il l'appelle, la version géante. Déjà que celui-là est extrêmement bien détaillé. C'est magnifique, il y a toutes les plaques. Tout y est. Et pour le support, ce que j'adore, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de faire un support qui ne nécessite pas aucune accroche sur le vaisseau. Ça, c'est génial. Voilà. Vous voyez, pièce transparente, tout ça, il est magnifique. Et donc, sa longueur, à lui, je pense que c'est 4. C'est à peu près 14 cm, le dé aussi. C'est à peu près la taille de tous leurs modèles. À l'exception des versions spéciales, éditions spéciales qui sont géantes. Il y a l'Enterprise E, pardon, excusez-moi, l'Enterprise D et l'Enterprise de la série originale. Bon, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, ce petit unboxing. Enfin, c'est plutôt une revue. Enfin, voilà. Peu importe. Je vais dire comment je vais l'appeler. Et donc, je vous dis à la prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Et salut tout le monde!